Voici quelques conseils pour vous aider à utiliser le porte-bébé 4 positions 360 dans la position frontale avec le coussin bébé. Vous devrez utiliser le coussin bébé pour porter bébé depuis la naissance jusqu'à environ 4 mois. Camille et la petite Léa vont maintenant vous montrer comment installer le porte-bébé en position frontale avec le coussin bébé. C'est parti! Le porte-bébé est doté d'une nouvelle ceinture Velcro qui le rend facilement ajustable et convient à tous les porteurs. Faites glisser la ceinture autour de vous et assurez-vous que la moitié au moins du Velcro est couvert pour des raisons de sécurité. Fixez et serrez la sangle de sécurité. L'assise préformée maintient le bébé assis en position ergonomique. Utilisez les boutons extérieurs noirs pour élargir l'assise et la rendre plus confortable. Retroussez la partie supérieure, desserrez les deux bretelles et centrez le dos. Vous êtes prêt pour installer bébé. Placez le coussin bébé sur une surface plane. Prenez maintenant votre bébé et allongez-le sur le coussin bébé en vous assurant que ses fesses reposent bien sur le haut du coussin amovible. Ajustez et fermez la lanière si besoin. Ses bras sont libres et se placent naturellement. Prenez votre bébé, installez-le contre vous et assurez-vous que ses jambes sont en position ergonomique. Remontez le dos du porte-bébé et passez votre bras entre le coussin bébé et le dos du porte-bébé afin de vérifier que votre bébé est bien au fond de l'assise. Passez une bretelle, puis l'autre. Maintenant, refermez l'attache bretelle et ajustez-la. Resserrez les bretelles une par une, puis les deux en même temps jusqu'à être bien confortable. Les deux lanières doivent être de la même longueur. Pour un support de la tête et du cou, repliez le haut du coussin bébé. Calez-le entre les bretelles et le dos du porte-bébé pour le maintenir en place. Boutonnez si besoin l'appui-tête pour un soutien supplémentaire. Maintenant, assurez-vous que l'assise préformée est bien ajustée, bébé est bien maintenu en position ergonomique, ses voies respiratoires sont dégagées, l'attache bretelle est bien positionnée au milieu de vos omoplates. Vous êtes prêt! Pour retirer bébé, desserrez les bretelles tout en maintenant le dos du porte-bébé. Puis, détachez l'attache bretelle. Retirez la première bretelle, prenez votre enfant dans le coussin bébé. Le porte-bébé tombe alors sur vos hanches. Placez bébé dans un endroit sûr. Vous avez terminé !